Aïe aïe aïe, ça pique! Bon voilà, nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mardi matin, je sais pas si vous avez vu, mais lundi donc j'ai vlogué toute ma première journée, c'était le premier vlog. Lundi soir, donc hier soir je l'ai monté. Là je l'ai mis en ligne, donc il est sur YouTube déjà. Donc je vais vous le mettre en ligne ce soir, il sera disponible ce soir. Et donc vous avez vu qu'hier c'est la séance jambes. Et putain, ça pique vraiment. Aujourd'hui, j'ai des courbatures de fou aux jambes et aux abdos, comme quoi j'ai vraiment plus l'habitude. Hier soir, Pascal, il m'a envoyé un message qu'il s'entraîne avec moi. Je peux plus marcher, gros, je suis pas bien et tout. Moi, je disais, oh non, moi ça va, je sens rien et tout. Au final, ce matin, c'est dur, donc bon, tant mieux, ça veut dire qu'on est bien. Et là, ce matin, donc, nouvelle journée, c'est parti. Petit déjeuner avec flocons d'avoine, lait d'amande et de la protéine, framboise kiwi et une pomme. Et avant d'aller à la salle, je préfère bien sûr les shakers. Donc pour après l'entraînement, j'ai mis 30 grammes de whey, spéculoos cette fois. J'ai un peu fou, on change les goûts. Et dans la gourde, donc amino, une cuillère. Je sais pas combien ça fait exactement de grammes, mais quelque chose comme 20 grammes, je crois, 15 grammes. Donc dedans, il y a des acides aminés et aussi un petit peu de booster. Et pareil, une cuillère de créatine que moi je mets pendant l'entraînement. Donc les deux goûts, ils se marient bien si vous prenez sur Fitness Boutique, parce que c'est citron et ça c'est donc des citrons et goût citron. Donc les deux, vous pouvez les marier, il n'y a pas de problème. En vrai, la créatine, c'est pas l'idéal de prendre pendant l'entraînement. Honnêtement, c'est beaucoup plus simple et c'est pas mal. Donc voilà, c'est un peu par fainéantise que je fais ça. Je mixe tout et c'est parti, on peut aller à la salle. Et la gourde aussi, vous la retrouvez sur Fitness Boutique. Bon, elle est un peu chère, je crois. Ils la vendent 50 euros. C'est juste que c'est une gourde, en même temps, ça peut faire truc de massage. Donc, si vous allez acheter les deux, ça peut valoir le coup. Si vous voulez juste une gourde, voilà, un peu cher pour une gourde. Bon, je reviens chercher Pascal et petite dédicace à lui. Un petit peu de rap martiniquais, ça lui fera plaisir. Je suis pas dans les clichés, mais bon, c'est Star qui se sent chez lui un peu. On va voir sa réaction. Je pense qu'il va être content, ça lui fait plaisir. En plus, Pascal, c'est un Martiniquais. Pour lui, tous les Noirs, ils viennent de Martinique et de chez lui du Vauclin. Mais gros! Alors, dédicace à toi. Il est doux, le Kalash. Kalash et du Vauclin. Et oui, tous sont du même village en Martinique. Tous les Noirs là-bas, c'est des Rostas. Bah ouais, c'est ça, Kalash. Fais la bise. Allez, c'est parti. Donc, s'il marche pas bien, c'est à cause des jambes d'hier. Ouais. Et ce bâtard... à cause de ma cheville aussi, gros. Non, les jambes, c'est dur, rien. Et ce bâtard, il me dit, c'est qui Franck Cabrière? Je lui dis, pourquoi, qu'est-ce que t'as fait? Il me dit, ben... je dis, c'est ma mère. Et il me dit, oh, je dis, quoi, qu'est-ce que t'as fait, gros? Il me dit, non, non, rien, c'est juste que j'ai vu qu'elle likait mes photos et tout sur Facebook. Mais ma mère, c'est une accro. Donc, dédicace à toi, maman. Et elle partage, donc son mur, en fait, c'est le mien et mes amis. Elle partage que nos trucs. Je te jure, c'est vrai. C'est vrai. Elle a même pas de photos, c'est que moi. C'est énorme, ça. C'est énorme, mais une maman, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bisous, maman. Merci, merci, madame Gabriel. J'ai toujours dit qu'il avait un petit côté féminin. Bâtard. Toilette femme. Ah, c'est. Ah. Tranquille. Pardon, je parle pas la langue. Allez. Run free and dive into the sky. Allez. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Bon, voilà, je vous avais pas montré dans le premier vlog. Il y a bien du gras sur les abdos. Il va falloir enlever tout ça. Bon, après l'incliné, on passe au coucher. Ouais. C'était sale et c'était dur. Ouais, et là, un peu plus de reps, donc forcément une charge moins importante. Allez, go. Et après 3 exos pec, on passe au dos avec le rowing, baby. Allez. Et pour le repas aujourd'hui, ce sera purée légumes verts avec poulet pané, donc glucides, protéines et légumes. Et je me dépêche parce qu'à côté, vous voyez là, il y a les CV. Et aujourd'hui, c'est entretien. On cherche une personne pour le marketing. Donc Alex, il va arriver de Grenoble et on passe des entretiens tout l'après-midi. Et en attendant, petite tenue complet Hades qui sera disponible sur le site Hades-shop. Il n'est pas encore sorti, mais ça sortira mi-janvier. Et vous verrez les sapes, c'est de la folie.
Et le préféré, ma préférée, c'est cette veste. Elle est vraiment au top du top. Et pour mon repas du soir, ce sera poivron vert et rouge grillé et deux steaks. Donc vous avez vu, c'était vraiment rapide à faire en 2-2. Je veux dire, il faut 5 minutes à peine. Juste couper les poivrons et les faire cuire. Et les steaks. Rentabilité au top du top. Et pour ce soir, ça va être chill. Et en même temps, je regarde un peu les commentaires donc, du vlog qui est sorti ce soir. Le premier vlog. Donc sur la journée d'hier. Donc j'ai répondu un peu à quelques commentaires comme délire chaud officiel. Qui nous dit faites la transfo sur 2 ans. Bien sûr, donc je vais faire ça, je vais faire un montage. Refaites Kylian Messi qui nous dit refaites un max au DC. C'est une bonne idée Kylian, donc on va le faire. Et en tout cas, merci à tous pour vos commentaires. C'est vraiment sympa. Mort de rire Pasquale, il ressemble au père du phénomène Raven. Donc je pense que c'est le... C'est ma famille d'abord. Je crois que c'est ça. Et j'avoue, il lui ressemble grave. Bref, voilà, en tout cas, merci vraiment pour les commentaires. On va continuer bien sûr les vlogs. N'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez. Pensez à liker aussi, vous savez que c'est ce qui fait sortir les vidéos maintenant sur YouTube, le plus de likes. Donc si ça vous plaît, merci de liker au maximum. Et pensez sur notre page à activer la petite cloche tout en haut à droite à côté de s'abonner. Pourquoi? Parce que comme ça vous recevez un mail quand on met une nouvelle vidéo. Si vous n'avez pas activé ça, vous n'allez pas recevoir de mail et donc des fois vous allez en rater. Surtout que là les vlogs, on va essayer d'en mettre beaucoup. Un coup moi, un coup Alex, donc voilà, vous aurez pas mal de choses à suivre. Donc n'hésitez pas. En gros c'est ça, donc n'hésitez pas. Plus de vlogs comme ça, pêche, on attend la petite vidéo dossier, Benjamin, Junin, bah t'inquiète pas. Quand je dis ça, c'est qu'il y a des 3 photos d'il y a 3-4 ans, vous allez rigoler. Hello my friends, nouvelle journée. Bon désolé, l'anglais c'est des formations professionnelles depuis qu'on a été à LA, you know. Bon, pour ce matin, petit déjeuner, on va changer un peu. Je vais me faire un petit sandwich, 2 tranches de pain complet. Bon vous voyez pas, mais 2 tranches de pain complet. Un peu de... Comment ça s'appelle? De blanc de dinde. Donc 2 tranches, ça fait à peu près 100 grammes et comme ça, ça fait l'apport en prot et un petit peu de fromage dessus. Je vous laisse parce que j'ai un peu le travail de me couper un doigt là. Et aujourd'hui, retour de Jacques. Bonjour. Jacques. Ah. Alors il va avoir un peu de mal, il a parlé italien pendant des mois, anglais. Tu parles français encore? Oui, mais il faut me sous-titrer. Putain, il s'est fait beau gosse. Mets-toi debout un peu, montre-leur. Oh, nouvelle coupe. Mettez dans les commentaires, moi je l'ai trouvé beau gosse. Hein. Putain, la classe. Ah là là, il est timide maintenant. C'est fini. Je prends l'habitude. Voilà, quand c'est Pascal qui nous emmène. Petit vélo dans le coffre avec la petite gourde. Et là, c'est retrouvaille entre Pascal et Jacques. Alors? Oh gros! Ouais, je veux voir le bisou et tout. Le bisou. Bisou. Le bisou. Allez, viens, viens. Ça, mon gros. Oh là là, mon Jacopo. Tant d'amour. Mon Jacopo. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, vous avez vu, on a sorti la Porsche. C'est 4 places. J'ai lui, il a failli mourir. Putain. Bon, ça va, t'as des courbatures, Pascal? Putain, gros, laisse tomber. Je peux plus bouger. Même la langue, tu vois, j'ai un peu de mal à parler. J'ai des courbatures à la langue. C'est parti pour la séance. Pascal, il est éclaté. Jacques, le retour. Jacques is back. C'est un bon titre de film. Petit débat. Pardon. PJ, il est éclaté. Non, je peux éclater, moi. Putain, regarde, le mec, il me coupe. J'allais dire petit débardeur esthétique design. Beau gosse, on sort les muscles. Et là, c'est la séance 3 du train Ousmi. On est d'accord que c'est la pire. Ouais. Tous ceux qui font le train Ousmi, vous savez. Le soulevé de terre, c'est dingue. Voilà, on est parti pour une séance hardcore. C'est parti pour cette grosse séance, donc d'abord le soulevé de terre. On commence par un gros exercice avec peu de répétitions. Et là, moi, vous pouvez voir, je suis en prise pronation avec les bandes, mais bien sûr, vous pouvez faire en prise inversée. C'est bien de varier de temps en temps. Ensuite, je vais passer au squat frontaux. Donc normalement, en libre, c'est beaucoup mieux, je préfère. Sauf que là, c'était pas disponible et vu que c'était la première semaine, vous voyez ma tête, j'en ai quand même vraiment chié. Donc voilà, j'ai fait au cadre vité. Ensuite, on regarde pas le petit trou dans le pantalon et on passe au fessier. Bien sûr, vous me connaissez. Et je vais terminer par les mollets en biceps. Toujours commencer votre séance par d'abord un gros exercice, des mouvements polyarticulaires et après vous faites les plus petits muscles ou des mouvements monoarticulaires. Après les jambes, je vais pouvoir passer aux épaules, c'est le même principe. D'abord un exercice complet comme l'épaulé jeté, quelque chose de vraiment intense, peu de répétition. Et après vous pouvez enchaîner avec des élévations latérales par exemple
ou un développé Arnold où moi je vais prendre assez léger et vraiment me concentrer sur la technique, faire une série plus longue et aller jusqu'à la brûlure pour vraiment travailler différemment. Bon, on va passer aux abdos. Et là, que vois-je ? Pascal à la télé. Le mec, il me ressemble pas du tout. Regarde ce mec là. Florida. Oh Pascal, qu'est-ce que t'as fait ? T'as fait du son ? Ah, lui, il est beau gosse, lui. Mais non, il me ressemble pas. Voilà, il est beau gosse. Michael Kyle. Si, Michael Kyle. Sûr, gros, sûr. Mettez dans les commentaires, mais c'est sûr. Si vous avez déjà vu ma famille d'abord, c'est sûr, c'est lui. Oh, PJ, il a démonté les plafonds. Pour des puissances. Retour à l'appart, bon, je vois qu'il a déjà mangé, il a raté qu'il travaille. Enfin, il fait semblant de travailler. Et pour moi, ça va être omelette avec tomates, paprika, épices et une petite tranche de pain complet. Pareil avant de reprendre le taf. Et voilà, aujourd'hui j'ai reçu aussi un miroir, comme ça je pourrais bien vous montrer les tenues Hades. Vous pouvez voir, il est dégueulasse. Mais bon, je le nettoierai. Et pour ce soir, on va s'arrêter là parce que j'ai un rendez-vous professionnel. Donc je vous laisse et je vous dis à demain. Pour ce jeudi matin, petit déjeuner avec prot, ardeur mélangé des flocons d'avoine et du lait d'amande. Et une pomme, Pink Lady. Yeah. Oh putain de merde. Aujourd'hui on arrive, donc on va tourner au APJ. Enfin, on va s'entraîner au APJ. Karim nous a rejoint et là il a craqué. Il a craqué, frère. Elles sont terribles. Des Barbie shoes. Donc là voilà, avec Jacopo, bien sûr. Pascal, toujours en pleine transformation Pascal, et il y a Sylvain. Qu'est-ce que je vois, Ryan, en tenue BT, la classe ou pas? Eh ben, c'était une dédicace à passer. Dédicace à Thibaut Zampiri, si me regarde, et Romain Desmet. Dédicace à vous les gars, faites du sale. Entraînement presque fini. Et là il y avait les chefs à Pascal qui avaient très faim. Ok, elles ont mangé une bonne partie du pantalon. Et alors il faut leur donner à bouffer hein. Si tu veux un cul comme Pascal. Allez, training terminé, tout ce Lyon, si vous êtes chaud le samedi 28 janvier, on sera ici à Pijima avec Alex. Oui oui, spécial guest, body time. La classe ou pas? Karim il vient de tuer Pascal, il y avait Shrek qui lui dit punchline, mais Pascal punchline à côté, on va voir qui est le plus gros. C'est enculé. C'est qui le plus gros? C'est moi. Je te jure ça se vaut. Oh, le prochain cheat meal je le fais ici. Les donuts, c'est caramel, chocolat blanc, noisette. Et regarde le truc là, Oreo là, il est vénère. Je lui ai demandé, c'est cheesecake. Non, non, là, au fond. Il est énervé. Oh, des enfants. Celui-là, je vais rouler une tête. La prochaine fois qu'on vient ici, ça va être sale. Bon, repas propre pour moi à Béchef, Carreto à Lyon, ceux qui connaissent. Donc, moi, c'est salade. Donc, petite salade en entrée et grosse salade en plat de résistance. Pascal, pareil. C'est un gars qui a de l'avenir. Pareil. Et après on passe au moins bien. Karim, bah ça va. Bagel ça va parce qu'il y a le trou. Et comme il y a le trou, il y a un peu moins de glucides. Et pour eux pareil. Voilà. Et en plus Sylvain il vient d'aller faire caca, donc ça va, il peut manger un peu. C'est bien passé. D'ailleurs, tu filmes encore? Ouais ouais, ça filme. Je vais te remettre ta planchette juste après. Allez, après le taf, petite douche prise. Je monte pas trop ma tête. Et pour ce soir, ce sera poulet avec poivron tomate et une ou deux petites galettes. Voilà, un petit peu de glucides, mais pas trop. Ouais, juste pourquoi un petit peu de glucides? Simplement parce que là, avec l'enchaînement des entraînements, tout ça, je pense que je peux recharger un peu, manger un peu plus de glucides, aujourd'hui en tout cas. Et voilà, je ne vais pas faire spécialement trop de cheat meals ce week-end, à part samedi soir. Bien sûr, parce que c'est une tradition, j'ai pas le choix. Mais bon, là, je pense que voilà, juste en continuant comme ça encore deux semaines, j'ai commencé déjà à sécher un peu et tout. Donc voilà, je me prends pas la tête. Là, je le ressens un peu le besoin, manger un petit peu plus de glucides histoire d'être un peu plus en forme. Demain, je refais les jambes. Aujourd'hui, on est le 6 janvier, donc je suis en train d'uploader les training demi, de les mettre en ligne. Pourquoi? Parce que vous savez que tous les 6, le training demi sort et celui-là, on va l'attaquer.
donc tous ensemble lundi. Donc c'est quoi un train with me, parce qu'on me pose encore des fois la question. Donc un train with me, en gros c'est vous recevez notre entraînement complet, soit Alex, soit moi, soit les deux. Vous avez voilà plein d'explications bien sûr. Vous avez aussi tous les entraînements avec une description des exercices. Si vous cliquez par exemple là, voilà, ça vous envoie sur la description de l'exercice. Et vous avez aussi toute l'alimentation voilà, pour le mois. Donc là, le mois de janvier, du 6 au 6 février. Et donc pourquoi on a fait les trains with me ? Pour que tout le monde puisse suivre nos entraînements, notre alimentation. Vous avez tout en détail. Après, bien sûr, on explique aussi comment adapter à vous. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas forcément le même physique de départ. Vous ne répondez peut-être pas de la même manière aux entraînements que nous. Donc on vous explique comment adapter, notamment l'alimentation. Histoire que ce soit adapté à vous. Peut-être que vous avez plus besoin de prendre de masse, peut-être que vous avez envie de perdre plus de gras que nous. Donc voilà, on explique tout ça et normalement après plusieurs mois vous avez compris le principe et vous êtes au top pour les entraînements. De retour au Fitness Park Saint-Priest avec elle, Pascal. C'est ça. Juste lui aujourd'hui. Et c'est parti, séance jambes épaules, Dragon Flag. Qu'est-ce que tu fais? J'ai mal au cuisson. Pascal vient de faire une série. Et fin de sauter. Allez, c'est comme des frites sautées sauf que ce sont des fentes. Plus. 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 Oui, propre. Allez. PJ Balboa. On va voir la gueule. Elle est moche la gueule. Hein. Elle est moche la gueule. Hein. 7 litres de sang dans la tête. Bon voilà, après un repas très rapide. Bon, j'avoue pas le top. C'était pomelos, pamplemousse et poulet pané. Mais j'avais vraiment pas le temps. Pourquoi ? Parce que là, on part au bureau. Je rejoins Alex et Jacopo. Je sais pas si vous allez voir dans la voiture derrière. C'est lui le beau gosse italien. Et en gros, ça va être shooting. Il y en a qui ont fait cartonner un autre. Shooting pour Hades. Donc shooting photo avec les sables. Tout l'après-midi pour pouvoir sortir le site au plus vite pour vous. Pour une fois, il fait presque beau. Fait plaisir. Ah, ils se retrouvent. Et oui, parce qu'on est en train de refaire tous les bureaux. Donc là, c'est un peu le bordel. On va installer les studios photo, faut qu'on termine. Mais c'est stylé en blanc. T'es content? Et alors, qu'est-ce qu'on fait là? Et Bonnie, dis bonjour. Putain, elle a rien à foutre. Dis bonjour. Ah là là, le regard Armani. Filme-toi aussi. Non, mais moi, je suis en train de se changer. Salut. Salut. Bon, en tout cas, la classe. Fille éteint. Et Cap qui est arrivé pour faire le shooting pour voilà. Beauty Time, les t-shirts Beauty Time. Et oui, les filles, on ne vous a pas oublié. Vous êtes magnifiques. Ouais. Bonnie, elle a l'air triste. Bah, tout le temps, ouais. Faut pas s'y fier à son regard mesquine. C'est une chippie. Un Bonnie. Mettez un like pour Bonnie. Ouais. Plein de likes pour Bobo. Et shooting terminé pour moi, c'était au top bien sûr. Donc là je rentre et ce soir je vais vous monter le vlog, comme ça je vous le sors demain. Enfin, aujourd'hui pour vous. Bref, vous avez compris l'idée. Je vous dis bien sûr à très vite. Et surtout, gardez la pêche.